Salut, bonjour à tous. Donc voilà, nous on est reparti sur de nouvelles aventures. On continue, il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc on va attendre que ça arrive tranquille. Ouais. Donc vous avez vu un peu? J'ai gagné au loto. Alors les embouteillages, il y en a marre. Ben, maintenant, je vais faire Uber, il paraît qu'il faut Uber sous-marin. Moi, j'ai trotti hélicoptère. On ne sait jamais. Hein? Michel Drucker l'a fait, alors pourquoi qu'on ne le ferait pas nous? Il est beau, hein? Ouais. Voilà, filme un peu autour, regarde. Voilà. C'est l'hélicoptère de chez Paulette. Bonjour vous tous, vous êtes déjà 68, 82, merci d'en trouver, on est devant l'hélicoptère. C'est une alouette. Et puis on est avec Alain pour un nouveau taco. Regarde, regarde la palle, elle rentre dans le restaurant. T'as vu un peu? Ouais. Donc on est rapidement 105 dans la room, ça fait plaisir. Voilà. Là, je suis... c'est mieux comme ça, ouais. Voilà, donc chien jaune. Ouais, pourquoi chien jaune? Bah en fait, justement, on va en parler. C'est marche à l'heure. C'est... Faut créer des emplois. Mais les pauvres, en fait, j'ai fait ça parce que ça fait 20 ans que j'ai pas pris l'avion. Et quand je prends l'avion, on regarde toujours par le hublot. Et des fois, quand on atterrit, dans n'importe quel pays, on voit un gars comme ça. Et puis, qui fait dire. Ah oui, quand tu atterris, souvent, t'as des types, bah voilà, sur... Voilà. Sur le tarmac? Sur le tarmac. Le chien jaune, c'est ceux qui sont sur les porte-avions, on me dit. Il y a les porte-avions aussi. Thomas, bonjour. Porte-avions? Voilà. Qui font l'appontage des hélicos ou des mirages ou des rafales, ce que vous voulez. Je suis pas passionné plus que... Ok, c'est Top Gun, quoi. Moi, je suis curieux à tout, hein. Je suis curieux à tout, donc... Ouais. Et j'ai trouvé ça en brocante. Qu'à faire, j'ai des tellement de costumes, je sais pas pourquoi ça met donc, donc on les appelle les chiens jaunes. Voilà, on a deux ou trois parce que j'ai vu des gens qui étaient confinés qui ont demandé à Rémi, oui, Rémi, ça leur a plu, comment il s'appelle Bourville. Donc ils ont dit, ouais, si tu pouvais nous faire un peu des sketchs, j'ai dit, bah tiens, donc là on va faire trois sketchs aujourd'hui. Ok, et j'en ai un quatrième, mais après, je veux pas en mettre d'autres trop parce que moi je veux donner la parole aux autres, hein. Je veux pas monopoliser donc j'en ai. J'en ai trop. Il y a André qui me demande de quel miracle on parle. De quel miracle on parle? Ça, le miracle, ça sera tout à l'heure. C'est un autre sketch. Là, pour l'instant. D'accord. Le miracle, il viendra, mais faut attendre. Moi, c'est tout le temps. Hein, vous voyez, c'est. Donc voilà. Donc, quand tu démarres, tu fais comme ça. Quand tu coupes le moteur, comme ça. Sur Internet, hein. J'ai mis des flèches aussi. J'ai dit à ma femme, je vais mettre des traits rouges là. Elle me dit non, après ça va faire extension, rébellion, je sais pas quoi. Extorsion, rébellion, donc comment c'est extinction. Voilà. Ils prennent des subventions. Extorsion, rébellion. Nous on prend rien les gars. Et puis s'il y en a qui peuvent, s'il y a des milliardaires, peut-être pas là en live, mais après, s'il y a des milliardaires, parce qu'eux aussi sont confinés, eh ben envoyez un peu de pépette à Rémi, comme ouais, ça il nous mettra c'est de l'essence. Super stickers, voilà. Voilà. Et puis aussi, il y a un truc que j'oublie de dire. De l'essence dans l'hélico. Voilà, c'est du kérosène. Ouais. Ça coûte cher. Ça hein. coûte cher. Il est bon, hein. Ouais. En plus, c'est une belle date. Ouais. Voilà, donc, quand ils sont sur les avions, il faut comme ça. T'as l'avion, on fait comme ça aussi. Quand tu portes à gauche, tu fais comme ça. Tu viens à droite. Et alors quand il vient vers toi, tu fais ça. Et quand il a fini, qu'il arrive devant toi, qu'il est garé, ils font comme ça. Merci Anthony. Ah oui. T'es parti voir des vidéos qui précisent un petit peu comment ils font, ouais, c'est ça? Oui, il y en a plein. Tu connaissais? C'est vraiment génial, là. YouTube, t'as tout là-dessus. Hein. Super. Voilà. Donc, mais moi, c'est ce que j'ai dit à ma femme, ouais. Comme moi je suis un rigolo, je dis on va faire un jeu de bonneteau. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a derrière? Rouge? Ah non, jaune. Ah, c'est un bonneteau. Elle me dit mais non, on le voit. En tout cas, en ce moment, t'es un chien jaune. Voilà, donc chien jaune. Vous regardez la danse des chiens jaunes. Oui. S'il y en a qui sont intéressés, la danse des chiens jaunes, vous allez voir. Non, c'est des gars, c'est l'armée. Au contraire, c'est des gars qui... Parce que souvent, tu vois, ces métiers-là, ils sont pas tellement connus, comme dit ma femme. Parce qu'en fait... On parle tout le temps des pilotes. Ouais. Travaillez bien. Mais combien il y en a qui finissent pilote d'hélicoptère ou pilote
C'est tout le temps le meilleur, parce qu'on est là pour nous diviser. Alors que pour faire chien jaune,